Sur la feuille aussi, il faut recréer l'étanchéité. C'est-à-dire que quand on casse, quand on fait une rupture d'étanchéité sur la feuille, la plante aussi a besoin de recréer l'étanchéité dans la feuille. Et donc ce phénomène-là de compartimentation dans la feuille, si on regarde et qu'on analyse ce liseré que l'on a rouge-noir là, on s'aperçoit que c'est de la mélanine, donc c'est aussi une oxydation de tanins successives qui crée de la mélanine. Et cette mélanine-là ferme la feuille et permet à la feuille de devenir de redevenir un peu plus étanche et de ne pas perdre de l'eau de manière inconsidérée et aussi de devenir petit à petit immangeable pour les éventuels insectes. Donc là on voit, il y a ces réactions. Donc quand on voit ce genre de choses là sur les plantes, c'est bon signe. C'est-à-dire quand on voit une attaque d'insectes avec une plante qui arrive à mélaniser, c'est-à-dire à compartimenter le tour des plaies, ben, il ne faut pas trop s'amuser à balancer un insecticide parce que la plante, elle est capable de le faire. C'est-à-dire qu'elle est en train de régler le problème. Par contre, quand ça ne le fait pas, c'est-à-dire que la plante, soit elle n'a pas compris qu'elle était en train de se faire attaquer, soit elle n'est pas capable de se défendre. Et là, c'est un autre problème et c'est à partir de ce moment-là où on peut décider de traiter. Là, par exemple, on voit qu'il n'y a aucune pour l'instant oxydation ou qu'on ne la voit pas, donc ça peut poser question. Donc soit la chenille est sous la feuille, soit la plante n'est pas capable de se défendre. C'est, en fait, la mélanine, c'est un dérivé des essences en fait, hein, qui par oxydation se transforme en mélanine. Mais toutes les plantes ligneuses font la mélanisation et la compartimentation avec plus ou moins de succès. Un peuplier, il est moins doté qu'un chêne, quoi. En gros, enfin, c'est ça le truc. Et ça dépend de la stratégie de vie. Ouais, voilà. Et certaines plantes, là, on voit par exemple ici, c'est cette coloration violette. Vous voyez cette coloration violette, là, on va le retrouver. Il y a des plantes qui le font. La grande oseille, par exemple, là, elle est incroyable au niveau de la mélanisation dans la feuille, de la compartimentation dans la feuille. Elle va des fois être tellement attaquée et être tellement capable de se défendre qu'elle devient violette complètement. Elle est moins efficace pour faire la photosynthèse, mais elle est toujours quand même en vie et elle est devenue totalement inappétente pour les insectes, quoi. Donc là, c'est ce qui est en train de se passer sur cette feuille de lierre. Quand elle devient violette, c'est ça qu'on peut observer, c'est qu'elle produise. Ouais. Tu regarderas tes feuilles violettes, elles ne se font plus attaquer d'ailleurs. Mais moi, j'avais vu dans un documentaire que les arbres communiquaient entre eux et que quand ils voyaient qu'il y avait un danger, par exemple comme un animal, ils sécrétaient quelque chose sur leurs feuilles qui rend les feuilles mauvais et l'animal il n'en veut plus. C'est vrai. Oui, ouais, c'est vrai, mais c'est aussi à considérer suivant l'espèce des arbres. Il y a des arbres qui sont plus ou moins capables de le faire. C'est une bonne question. Et il y a un petit caractère comme ça, presque on pourrait appeler ça olfactif, de l'arbre. Parce qu'en fait, les essences, c'est-à-dire que les tanins s'oxydent et fabriquent des essences. Quand je disais tout à l'heure, les essences sont les huiles essentielles. Tu vois, les huiles essentielles, ça sent très très fort. Donc en fait, c'est par nature très volatile. Tu vois, ce sont des essences, c'est très volatile. Et donc, comme c'est très volatile, c'est des molécules qui sont transportées par l'air. Et donc, si elles sont transportées par l'air, c'est-à-dire qu'il y a un émetteur et en fait, finalement, les feuilles, en tant que récepteurs, captent ces ondes-là, captent ces odeurs, en quelque part, pas sous forme d'odeur pour elles, sous forme d'ondes, et donc peuvent éventuellement, dans certains cas, réagir à cette action-là. Donc il y a des arbres où c'est très fort, très, très puissant, et il y a des arbres où c'est un peu plus délicat, qu'on ne sait pas trop si ça fonctionne ou pas. C'est pas simple, puisqu'en fait, pour rentrer, un arbre, il est quand même étanche, et donc souvent, c'est ça le problème. C'est comme il est étanche, il a du mal à percevoir, il a du mal à recevoir quand même. Et donc c'est par oxydation, donc c'est par la rentrée de l'air, donc avec les stomates des feuilles, les stomates, font rentrer du CO2 mais aussi de l'oxygène. Et donc du coup c'est par ces entrées-là qu'il peut arriver à percevoir ces choses-là. C'est pas toujours évident. Après il y a les ondes aussi sans doute, sous forme d'ondes, tout le vivant est complexe. Mais bon, oui, en tout cas c'est vrai et ce sont les mêmes substances que la substance de la mélanine, ce sont les mêmes substances qui sont volatiles et qui sont perçues par les autres végétaux. Une plante, il faut considérer une plante comme, je pense que ça vous l'avez à peu près compris, tous les ans, vous avez intégralement sur un arbre une nouvelle plante qui pousse par-dessus la plante de l'année d'avant.
Si je schématise, je fais une pousse de 1 an avec 3 bourgeons. La pousse de l'année d'après, j'ai une pousse en épaisseur, en diamètre, plus un accroissement en longueur de mes bourgeons. Et ça reproduit systématiquement à l'infini, suivant le génome du végétal et la manière dont sont disposés les bourgeons. Donc tous les ans, même sur un platane de 50 mètres de haut, j'ai un nouveau platane intégralement par-dessus le platane de l'année dernière. Intégralement. Ça, c'est important de comprendre ça. Et c'est une des raisons pour lesquelles, quand on fait une coupe comme ça, tous les vaisseaux issus des années d'avant se retrouvent à déboucher sur rien. Pour que ça puisse fonctionner, les systèmes hydrauliques, il faut toujours que ça finisse en cône, en quelque part. D'accord ? Que la plante, que tous les vaisseaux soient dirigés vers le bourgeon terminal, en quelque part. Si tu coupes là et que tu regardes dessus, tu te retrouves avec ça. Et donc là, si tu comptes les traits foncés, tu comptes les étés. Et si tu comptes les traits clairs, tu comptes les printemps. Moi, je crois que c'est un an. Eh bien, un an, c'est un printemps et un été. Donc un an, c'est un trait foncé et un trait clair. Bon, ok, donc vous voyez que donc si je le détaille comme ça, vous voyez les différentes épaisseurs, les différentes couches, et donc on a tout ce stockage à chaque fois dans la plante. Et de la même manière, c'est ce que je vous dessinais tout à l'heure, l'insertion de la branche se fait de cette manière-là, et donc il y a une limite entre le bois de la branche et le bois du tronc, qui est la connexion de vaisseaux entre eux, en quelque part. C'est-à-dire que ce n'est pas des vaisseaux continus de là à là, au moins dans un premier temps, on verra peut-être après, ça peut changer. Mais dans un premier temps, ce n'est pas des vaisseaux continus, c'est des vaisseaux qui circulent verticalement et qui sont en connexion avec d'autres vaisseaux qui partent latéralement. Donc c'est ce qui fait qu'au moment où on fait la coupe, il y a un tillage de tous les vaisseaux verticaux et ces vaisseaux-là se retrouvent à être séparés. D'ailleurs, génétiquement, cette branche-là et ce bois-là sont différents. Il faut considérer que chaque bourgeon qui naît sur une plante ligneuse, c'est un nouvel arbre qui pousse sur l'arbre. Les arbres, ce sont des colonies d'arbres, en fait. Après, on voit bien quand même qu'il y a une organisation générale, qui fait qu'on n'a pas que des arbres, des arbres, des arbres. Mais en fait, il y a une organisation qui est hormonale. Et donc, c'est là où on rentre dans cette idée d'architecture végétale. Cette architecture-là, c'est notre outil principal de compréhension de ce qu'est l'arbre. Donc l'architecture, c'est à la fois la manière dont vont se comporter les deux méristèmes, le méristème primaire qui fait l'allongement en largeur et le méristème secondaire qui fait l'accroissement en épaisseur. C'est à la fois ça et cette architecture et ce que l'on observe par rapport à la croissance de ces choses-là et aux influences extérieures que sont le soleil, le vent, la lumière. Et donc tout ça crée en quelque part cette architecture. Donc là, on voit tous ces gens-là, hein, Allais, Oldeman, Edelin, Rimbaud, Drénoux, et ça, on peut être fier, ce sont tous des gens qui travaillent pour l'INRA en France et qui ont fait ces études fondamentales, qui sont des études uniques dans le monde entier. En fait, on est un peu les champions de la compréhension et de la recherche sur l'architecture végétale. C'est quand même incroyable. Alors, cette architecture-là, elle est différente suivant chaque végétal. Vous voyez bien que sur une pousse de 1 an, vous avez des arbres qui vont faire des verticilles, donc avec tous les bourgeons qui vont pousser côte à côte en forme de verticilles, comme on a chez les résineux, mais aussi par exemple chez le ginkgo biloba. Et puis vous avez ceux qui sont spiralés, donc avec de manière des bourgeons qui poussent tout le tour. Vous avez ceux qui font des bourgeons opposés, ceux qui font des bourgeons alternes. Donc ça, c'est un début d'expression d'une architecture. Mais l'architecture, on va la retrouver de manière plus globale dans l'arbre sous d'autres formes. Il faut juste qu'on arrive à aborder cette notion d'architecture et on y reviendra après, mais sinon on n'aura rien à observer cet après-midi ou pas assez. Juste, je ne sais pas ce que ça veut dire apico.
L'apicot, l'apex, c'est le sommet, c'est le bourgeon le plus haut. Le bourgeon le plus haut, c'est le bourgeon apical. D'accord ? Donc le bourgeon le plus haut, on l'appelle l'apex. Et donc c'est le bourgeon apical. Et donc tous les bourgeons apicaux sur l'arbre, ce sont les bourgeons qui sont les plus éloignés de la base. Ça va ? Ouais. Mais vous faites bien de le dire parce qu'il y a plein de choses sans doute ou des mots peut-être que vous pouvez ne pas comprendre. Alors bon, forcément, ces relations hormonales-là, je les dessinais ici. Dans un arbre, de manière assez globale, on a des hormones de croissance qui régulent la manière dont va se développer le végétal. Ces hormones de croissance-là, qui s'appellent auxine et cytokinine, sont des hormones qui vont réguler et la croissance des apex et la croissance des racines. En fait, dans un végétal, on a ces bourgeons-là, justement, apicaux. Donc les bourgeons du haut, par exemple là j'en dessine deux, et puis on a les racines. Ces bourgeons du haut vont fabriquer une hormone qu'on appelle l'auxine. Et cette auxine, c'est une hormone, non seulement une hormone de croissance du système racinaire, donc en fait on va la retrouver ici, elle permet de la croissance du système racinaire, et elle est produite par les bourgeons apicaux, par les bourgeons les plus loin, d'accord ? Mais c'est aussi une hormone de régulation des axes secondaires. C'est-à-dire que ça va diminuer la croissance des axes secondaires. Donc ça va s'exprimer de cette manière-là. C'est-à-dire que le bourgeon du haut, donc là on a une plante avec 4 bourgeons, la croissance du bourgeon du haut va limiter la croissance des bourgeons du bas, voire pas de croissance du tout. Donc c'est une hormone de régulation des axes secondaires. D'accord ? Et puis on a la cytokinine qui fait l'inverse. Cette cytokinine, qui est une hormone fabriquée par les organes racinaires en croissance, qui régule la croissance des axes racinaires secondaires, entre guillemets, elle dit arrête de prospecter ici, tu as déjà prospecté, va plus loin en quelque part. Donc elle diminue la croissance des axes secondaires racinaires et elle va être une hormone de stimulation de la croissance des bourgeons apicaux, des bourgeons les plus hauts, en altitude. C'est une histoire d'altitude, hein. D'accord ? C'est pas une histoire de longueur. Pour la cytokinine ou pour les deux ? Pour la cytokinine. C'est-à-dire que si je plie la branche comme ça, la réaction hormonale fait que le bourgeon qui se développe le plus, c'est celui du haut. D'accord ? Et donc il y a une espèce d'équilibre entre des flux hormonaux racinaires et des flux hormonaux aériens. Bon, en fait, si on extrapole un peu, il n'y a pas de hasard, c'est rien non plus de rare. Si j'ai des bonnes racines, j'ai des bonnes pousses. Si j'ai des bonnes pousses, j'ai des bonnes racines. En quelque part, c'est rien de rare. Mais ça nous permet de comprendre que si on supprime une partie de l'arbre, si on supprime une partie sommitale de l'arbre, on va supprimer dans un laps de temps le signal auxine. Donc on n'a pas taillé le système racinaire, on a toujours une stimulation, une fabrication de cytokinine et pas de fabrication d'auxine, et cette cytokinine va faire sortir tous les bourgeons les plus hauts de l'arbre et qui vont repartir et se retrouver à de nouveau fabriquer de l'auxine. D'accord ? Pour jusqu'à ce qu'il y ait un équilibre entre la partie aérienne et la partie racinaire au niveau hormonal. Un équilibre en termes hormonal. Et donc mécaniquement en termes de surface aussi de connexion, il y a un équilibre entre la surface de connexion racinaire et aérienne. Ou entre l'efficacité en tout cas. Entre l'efficacité plus qu'en termes de surface. Parce que dans un premier temps après la coupe, s'il y a plus de cytokinine, ça ralentit le système racinaire, vu qu'il n'y a plus les bourgeons apicaux pour envoyer. Dans un deuxième temps, ça ralentit le système racinaire. Dans un premier temps, tu as déjà tout qui est descendu là, tu n'as plus de signal comme ça, tu te retrouves avec
une hormone cytokinine qui va faire germer en quelque part tous tes bourgeons qui sont des bourgeons latents. Parce qu'en fait, on pourrait déterminer, je sais pas si c'est juste après, les types de bourgeons. On a le bourgeon l'apex, donc qui lui est au sommet, qui est là pour développer en longueur la branche. On a ensuite les bourgeons axillaires qui permettent d'abord de fabriquer du feuillage et puis éventuellement de faire des ramifications secondaires. Et puis on a alors le bourgeon proventif, c'est un bourgeon qui est fabriqué, donc là par exemple le B là, alors si je le voyais, j'en avais fabriqué un ici. Ce bourgeon proventif, il ne démarre pas, muselé par l'auxine. D'accord ? L'auxine muselle ce bourgeon, l'empêche de se développer. C'est très pyramidal hein, chez les plantes. Donc l'empêche de se développer et se retrouve donc du coup ce bourgeon-là à être inhibé dans sa croissance. Mais par exemple, si je fais une coupe ici, il n'y a plus d'inhibition de cette partie-là, et donc c'est lui qui se retrouve le plus haut, et il se met à sortir. Mais ça, même si c'est 4 ou 5 ans après. Donc si c'est 4 ou 5 ans après, on a un grossissement en diamètre de 4 ou 5 ans, et tous les ans, le bourgeon, il va être reproduit à l'intérieur et être ici, prêt à démarrer. C'est un bourgeon qui est proventif. Il a été fabriqué dans le développement du végétal. C'est un système de survie en définitive, c'est ce qui lui permet de reprendre le fil. C'est prévenance. Prévenant quoi, il est prévenant quoi. Oui, c'est ça, ouais. Il en fabrique trop, comme ça on ne sait jamais. Mais et donc il y a le bourgeon qui est adventif. Le bourgeon qui est adventif, c'est la plaie que l'on va réaliser dans un coup. Et là, les bourgeons proventifs, il y en a un là. Mais malgré tout, il y a un cambium qui est encore vivant ici. Et donc du coup, il y a un bourgeon. Le cambium va être capable de se transformer et de se dire « Ouh là là, il faut que je fabrique un bourgeon. » Il fabrique un bourgeon, pam, bourgeon adventif. D'accord ? Voire 50. Mais tout ça, ce sont des bourgeons adventifs. Bon, après, il n'y a aucun impact de choisir l'un ou l'autre pour régénérer. Hein. C'est pas, vous pouvez choisir l'un ou l'autre. Mais c'est des bourgeons qui ont un fonctionnement différent.